Bien, salut à toutes et à tous, c'est LordGamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle série qui va voir le jour sur la chaîne. Donc, la série sur, je pense que vous avez remarqué pour ceux qui savent, enfin pour ceux qui connaissent le jeu, ça s'appelle Dying Light. Le petit nouveau jeu de zombies qui est sorti. Juste attendre qu'il finisse de parler. Je suis un zombie. Tout à fait. Bon, voilà. J'ai déjà essayé tout à l'heure, donc je connais un petit peu. Voilà, excellent. Donc, normalement, je vais dire plusieurs choses. Tout d'abord, peut-être que dans la vidéo il y aura des lags, je suis désolé, mais bon, je peux faire autrement. J'ai essayé plusieurs fois d'éviter les lags. J'arrive pas à faire autrement. Je sais pas du tout pourquoi il y a des lags. Peut-être parce que mon PC n'est pas assez puissant pour faire tourner. Dying Light plus Fraps, Dying Light seul ça marchait très très bien, mais Fraps avec Dying Light, ça accorde pas quoi. Donc il y aura peut-être des petits lags, je suis vraiment désolé, ça va me saouler aussi, mais bon. Voilà. Deuxième aussi, enfin deuxième truc à vous dire. Pendant les cinématiques, je ne parlerai pas, c'est tout à fait normal car ils vont dire des choses, donc je vais rien dire pendant la cinématique. Alors. Comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis? Au paradis, ça se voit pas? Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Ok, bah, go la salle 31. Ça c'est que 5. 31, c'est ton numéro. C'est-à-dire? Ton numéro. Tu es le 31e infecté. Je suis la 18e. On compte tout ici. Une dose d'antizine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. Ok. 31 infectés et plus que 7 traceurs. C'est à cause de lui qu'Amir est mort. Et toi, si je veux. Il est pas bien. Non, mais qui dort seulement, peut-être. Bonjour. Salut. Où est la salle 190? À l'étage. D'accord. T'es un bon copain, toi. Je déteste les gens qui mettent des gens. Qui mettent des gens. Je déteste les gens qui mettent des gens. Je dis je déteste les gens qui me mettent des vents. Je cherche le boss. Il est là? Non, c'est toi le 31. Entre. Putain, mais donnez-moi un nom. Le 31. Abruti. Hop. Lui touche la porte pour l'ouvrir, regardez. Hop, je touche la porte, elle se referme. Oh, alors y'a quoi ici? Y'a rien à piller, je parie. Oui, rien à piller, cool. C'est parti. Hey, je cherche. C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Je suis trop jeune, c'est ça? Non, tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antizine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Bien, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antizine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Eh, hey, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Eh, hey, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss, ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raim. C'est Brecken qui commande ici. Pareil que... Allez voir le boss 190, c'est fait! Je suis pas feignant.
On sait, c'est pas grave. T'es pas feignant. Trouver les survivants perdus au 13e étage. Faut que je prenne l'ascenseur normalement. Bonjour. Il y a un comptable. Il va comme ça. Au 13e étage, je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah tout le monde doit faire sa part, hein. Ça veut tout dire. En gros, je vais crever. Pas de problème. Je suis là pour ça. La vache. Wow. On peut repartir en bas. De toute façon, ça marche toujours pour partir en bas ou pas, s'il vous plaît. Je veux partir en bas. Bon, ils sont très gentils, ils n'ont pas mis le bébé dedans. Je pense que c'est fait exprès, j'imagine. En tout cas, dehors, c'est magnifique. Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine toute suite. À l'aide! À l'aide! Au secours! C'était qui? En tout cas, je m'appelle Crane. C'est bien, ça, c'est magnifique. Alors, j'ai un tuyau. Excellent. Comment je fais pour sauter? Comme ça. Pour courir comme ça. Bonjour, toi. Bien, tourne le bouton. Voilà, excellent. Et s'ils veulent, il est beau que ce soit un boulement. Bonjour. Pas très résistant, hein. Et le survivant. Attendez, hop, on va juste. Excellent. On va juste augmenter un petit peu le son. Eh, ça va, vieux? Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein. Oh, bon Dieu, c'était mon frère. C'est con. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Je suis au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant, ça va. Ok, bouge pas. Je dis à Léna de descendre. Attendez, les zombies sont pas tous comme ça, j'espère. Parce que, mais je l'ai foutu. J'étais comme ça, je fais. Hi, chick! Et il est mort. Regarde ce que je fais à ton frère, regarde. Garde! Oh, ça va. Tiens. Bouge pas. Léna devrait pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh. Ah, du gaz? De rester calme, d'accord? De la gaz. De la gaz. De la gaz. C'est quoi ça déjà? De la gaz? Je crois que la gaz c'est un genre de. Comment ça s'appelle? Merde. Les gars, je crois que c'est un genre de. Ah putain, j'ai oublié le nom. Oh, parce qu'il souffle. Vous savez, genre de. Petit tissu là qu'on met sur les plaies. Je crois que c'est un truc comme ça, les gars. Je sais pas. Bah la case. GG. Et un ruban adhésif, un rouleau adhésif. Du duct tape. Ok, excellent, il me manque juste. Des clous. Cool. Comment? C'est comme ça qu'on est. Sinon, on voit rien du tout. Coucou. Allez. Oh. Excellent. D'accord, quoi ici? Là.
Ah mais c'est bon, je veux juste trouver de l'alcool. Non. C'est de l'alcool ça. Bon, c'est tout ce que voulait Marc. Okay. On va essayer. Oh. Ah ouais, faut que je le crée. C'est bon, je peux pas le créer pour moi, je suppose. Toujours aux autres qu'il faut le donner. Ah c'est ça. Et là il a mis l'alcool dessus. Je crois que c'est ça de la gaz. Putain! Ça m'a fait flipper elle! Ah, il y a un truc où il y a plein de zombies! Putain! En mode. En mode Assassin's Creed, hein, la meuf! Ok, merci. Je m'occupe de la suite. Salut! Je m'appelle Crane. Hé, hey, 31, pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave, je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent, viens me voir. On discute de ce que tu peux faire. En tout cas, j'ai utilisé le kit de soins, mais je l'ai toujours. Hein. Vous pouvez regarder en haut à gauche. J'ai toujours le kit de soins. Donc en gros... Normalement. Ouais voilà, j'en ai toujours. Ah c'est bon Salut, c'est Brecken. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Raïm. Attendez. C'est que moi en fait après c'est très fort et vous je pense que vous en... sais que tes idées de génie sont dangereuses. Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, j'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet, notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste, surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Bon, je devrais y aller à sa place. D'explosif, Raïm. Quand moi qui va devoir y aller. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecken maintenant? Change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Tandis que je pue. Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecken. Appelle-moi quand tu seras changé. C'est qui Brecken? C'était le mec qu'on a eu. Il a disparu, le mec qu'on a eu. Ah, des nouveaux vêtements, je vais être magnifique. Pardon. Salle de bain. Je vous ai remarqué quelque chose, mais tout est bien fait dans la salle de bain. Tout est beau, même les chiottes ont été lavées. Et il y a une putain de vitre cassée. Ils se sont dit, bon, on va tout nettoyer, on va casser la vitre, ça va être génial. Et non, mais je suis au courant pourquoi ils ont fait ça. C'est surtout parce que, enfin, ils l'ont pas dit, mais bon, ça tombe sous le sens. C'est surtout parce que c'est très compliqué de faire... Je crois que c'est ça, hein. Je pense un truc comme ça. De faire le retour de vitre, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'en fait on se voit dans la vitre. Où je peux trouver Brecken? Pas si vite mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on va d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. La salle de sport? Salle de sport. De quoi tu parles? Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. C'est pas ici. Elle va même sur le toit de la tour. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai cru entendre dire qu'il ne fallait pas faire de bruit pour pas attirer les infectés. Je suis sûr qu'il a pas fait, il a pas fait de bruit. En tout cas, c'est magnifique.
Sérieusement. C'est très beau. Encore besoin d'une zone sécurisée. Ah. Herbe sauter. Ça, c'est bon. Ah, sauter en sautant en tombant. Ok, donc ça fait ça. Faut maintenir, c'est ça, à chaque fois. Ça a la Mirror Edge, hein. De toute façon, je l'ai lu, ça, comme quoi c'était... Ah, c'est une grue, pied de grue. J'ai entendu... Enfin, j'ai lu, surtout, que c'était un jeu à la fois Assassin's Creed, Mirror Edge. Et Dead Rising. Au niveau des zombies, du parcours, etc. Bonjour. Oh. Attends. Je suis tombé. Attends. Comment je... par là. Voilà. Je suis là. Okay. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Je viens en courant. Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon. Maintenant, saute tout en bas. Ça t'arrête? Moi, abuse pas. Cinglé, je vais me tuer. C'est pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux là. Si, regarde. Eh, bien fait pour ta gueule. Bouge pas, je vais chercher de l'aide. Mais non, je te fais juste marcher. Espèce d'enfoiré. Il m'a fait marcher aussi. J'ai cru que c'était défoncé là, la jambe. Eh, j'adore la voix de Crane, hein, n'empêche. Mais je veux pas sauter là, je vais me tuer sérieusement. Mais imaginez, il y a du verre dans les poubelles. Ouah. Oh putain. C'est des trucs en béton, lui. Boîte, hein. Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Ok. Alors, ouais, je l'ai fait, j'imagine. Je trompe toujours des touches pour courir. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages. Attendez. Pas étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. On peut pas genre glisser? Non. J'imagine. Je sais pas où je vais. Ah, faut suivre les flèches. Non. Ah, putain, ils ont prévu. Ils ont prévu le coup des noobs. Hop. Maintenez. S'accrocher heureux. Ça se voit, c'est du Mirror Edge. Hein. Je fais exactement comme dans Mirror Edge. J'y vais à... Voilà quoi. À la... Comment on dit déjà, c'est quoi? La va vite, on va dire ça comme ça. À la va vite. Eh, ça c'est du lourd ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Je sais. Alors, pas la première fois que tu fais ça. Vous avez déjà pratiqué? C'est une tirée de Mirror Edge. Le dernier tour de stade remonte au lycée. Dans ce cas, c'est un vrai prodige. Ah, tu demandes à la crue. Un vrai prodige. Je sais. Mais bon. Attends, là, je vais courir. Voilà. J'ai rien fait, hein. C'est pas par là qu'il fallait. Il s'est passé un truc. Rhyme
Ok, donc là je crois que c'est la barre d'endurance, je me trompe pas. Oh, j'ai de la chatte. Salut. Oh putain, je peux pas. Mais c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Putain. Alors, t'attends quoi? Oh, je vais devoir sortir. Bon, j'ai cru qu'il était dans la tour, docteur Zéré. C'est pas grave. Allez, voilà. Waouh, j'ai cru. Oh mon dieu. Je vais juste. Oh mon dieu. Je vais juste faire une petite ellipse juste pour voir le temps de vidéo parce que j'en ai aucune idée. Eh bien, re tout le monde. Donc, ça va être la fin de cette vidéo, enfin de ce début de série sur Dying Light. Aussi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le son n'était vraiment pas très fort par rapport aux voix des personnages. Donc, je vais l'augmenter. Je suis vraiment désolé. Donc, vous entendrez pas beaucoup les NPC, les PNJ, pardon. Je suis vraiment désolé. On se retrouve pour un prochain épisode, je sais pas quand, je verrai bien, ça dépend de moment où je peux. Ce sera posté un petit peu comme ça, 3-4 épisodes par semaine. Puis voilà, ça marchait comme ça, parce que je peux pas trop des fois faire le montage et tout. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine session. Je réglerai le problème du son, on n'entend vraiment pas beaucoup. Ce que je propose, c'est d'augmenter... J'essaierai de faire quelque chose sur les gars, je sais pas si je pourrais faire. Je vous propose c'est d'augmenter la... Et moi je vais... D'augmenter le son, voilà, tout simplement. Moi je vais l'augmenter de mon côté, bien sûr. Ça me fait penser à quelqu'un, mais... donc voilà, on se retrouve pour un prochain épisode, la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je voulais aussi vous remercier, on est à 20 abonnés sur la chaîne. Je sais que c'est pas énorme pour beaucoup d'entre vous. Vous direz, bon, c'est que 20 abonnés. Bon, moi, ça me fait vraiment plaisir que je vois qu'il y a des gens qui nous suivent avec Az. Et toutes les vidéos qu'on a mis, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Allez, ciao les gens!